Et la Saint-Valentin, c'est une fête qui se fait en amoureux. Saint-Valentin, c'est une fête qui se passe entre deux personnes, c'est-à-dire hommes et femmes. La Saint-Valentin construit comme une fête des amoureux. La Saint-Valentin, c'est que même cette fête, c'est une fête à l'origine païenne. Et c'est Valentin qui se cachait pour célébrer le mariage alors qu'il devait aller au front. Et les hommes devaient aller au front. Il célébrait le mariage en cachette. Et c'est après qu'on l'a arrêté, on l'a tué. Il fut tué donc un 14 février. Donc et voilà pourquoi cette fête est décrétée, cette fête de Saint-Valentin. Et le pape à Rome, à l'époque, pour pouvoir enlever quelqu'un, ne peut jamais prendre quelque chose d'un enfant sans lui donner quelque chose en retour. Donc cette fête est rentrée maintenant, est devenue religieuse. Voilà. Donc au départ, c'était une fête païenne, les Lupercales. Pour moi, nous, élèves, nous ne devions pas fêter la Saint-Valentin parce que c'est une fête pour les adultes. Adultes, ceux qui sont mariés ou bien ceux qui veulent se marier. Donc, ceux qui dépassent l'âge de 18 ans, eux, ils peuvent se marier. Pour nous, les jeunes, nous ne sommes pas capables. Parce qu'on me donne de l'argent à la maison, je ne veux pas venir laisser quelque part. Je ne veux pas venir me rester affamée pour pouvoir offrir un cadeau à quelqu'un. Et pour la célébration, moi, je ne suis ni pour ni contre parce que chacun a le droit de fêter comme il veut. Si quelqu'un trouve que c'est de cette manière qu'il peut fêter sa Saint-Valentin, alors moi je ne suis pas pour. La Saint-Valentin, je peux dire, ce n'est pas une fête à nous, les adolescents. Parce que les adolescents n'ont pas de moyens nécessaires pour s'offrir cette fête. Donc, c'est à nous, parents, qu'appartient cette fête. Ceux qui sont en couple, les gens mariés, les adultes, par exemple. Cette fête n'est pas pour nous, les ados. C'est pour les adultes, ceux qui se sont légalement mariés, qui sont dans un foyer, qui ont des enfants. Les adultes, ceux qui sont mariés. Cette fête, normalement, est réservée aux mariés. Ceux qui ont célébré le mariage célèbrent leur amour. C'est pour cela qu'ils portent le blanc, le rouge, mais les enfants ne comprennent pas le sens. C'est le sang versé par Valentin lorsqu'il fut assassiné. Voilà pourquoi le rouge en ce moment-là. Donc cette fête est réservée aux mariés, nos adolescents aujourd'hui nous volent cette fête hein, pour dire c'est la fête de l'amour, fête de l'amour. Et on se permet de faire tout ce qu'on ne peut pas faire en temps normal le 14 février. Moi je me suis toujours posé la question, pourquoi ça? Il faudrait vraiment que au moins nous parents, nous puissions expliquer à nos adolescents que s'ils doivent fêter, en fait c'est avec nous les parents là. Nous célébrons cette fête en offrant des cadeaux à nos petits amis comme les fleurs, les bonbons, les biscuits, les habits et c'est comme ça. Offrir une fleur, un cadeau et comme chocolat, bon, c'est quelque chose de très bien. Exprimer à leurs parents leur amour, vous voyez, bon, peut-être à leurs petits amis, mais pas de la manière ça se fait. C'est-à-dire faire tout ce qu'on ne peut pas faire en temps normal le 14 février pour dire que c'est la fête de l'amour. Voilà ce que moi je ne voudrais pas. Et c'est ce que je vois, on voit aujourd'hui, vous allez voir, c'est devenu même une fête commerciale, tout est en rouge, les mèches rouges, bonbons rouges, foulards rouges, tout rouge, tout rouge, tout rouge. Et ils n'en comprennent pas le sens. Bon, les filles tombent enceintes et les garçons, n'ayant pas les moyens pour offrir des cadeaux à leurs copines, on se voit un peu obligé peut-être de voler ou bien de faire de la main d'œuvre pour pouvoir offrir un cadeau à celle ou celui que tu aimes. Lors de la fête, tu trouveras des enfants dans la rue et s'amouracher ou bien dans les bars en train de boire, se saouler dans les boîtes de nuit.
se donner à de n'importe quelle chose. Après cette fête, c'est de voir les filles avec des grossesses non désirées. Après, tu vas entendre parler du viol, les jeunes qui se donnent à la drogue, les jeunes qui volent leurs parents même pour donner cadeau à leurs petites amies. Bon, c'est ce que je trouve comme conséquence. Après, c'est de finir en prison. Bon, c'est ça. Les jeunes filles tombent enceintes après la fête de Saint-Valentin. L'argent des parents disparaît. Bon, d'autres répondent à la gendarmerie, à la police, etc.